Un sanglier qui vient de sortir l'oreille. Waouh! Voilà un sanglier. Un mâle. Voilà. Allez, il se met sur ses genoux. Et sur ses genoux là. Ouais. Pour manger. Waouh, super. De fou, toi. Un autre. C'est le même. C'est le même. Le même qui rêve. Il vient sentir même l'œil. Wow. Il est vraiment curieux. Des sangliers pendant la journée. C'est bon. Ça fait mal, hein. Les gens seront surpris de savoir que à Bombo, on peut trouver les animaux. Avec les caméras, on peut trouver les animaux facilement. Alors, dans les caméras trap, nous avons fait ce qu'on appelle le monitoring. Chaque fois, une semaine après, nous sommes allés voir les caméras trap. Si on a des caméras trap, on installe les caméras trap. Après, on vérifie. Donc là, nous avons de très bons résultats de comprendre est-ce que tous ces animaux ils sont vivants ou bien il y a d'autres espèces qui sont en voie de disparition. Les espèces qu'on ne croyait pas, mais pour le moment, on les a vues. Vraiment, ça nous a encouragés de motiver encore nos patrouilles pour garder les espèces qui sont encore vivantes. C'est ici qu'on va dormir. Donc on sera entre la forêt et la savane. On cherche un peu de bois pour faire un peu de feu la nuit. Le grand problème que nous en avons ici à Bombolumène, d'abord, c'est la carbonisation. Puisque à proximité de Kinshasa, ici, on n'a plus de forêt. On est resté avec l'unique forêt ici à Bombolumène. S'il n'y a pas de forêt, ces animaux vont disparaître. Donc, le plus grand problème que nous en avons, c'est ça, et la chasse. Les gens encore continuent à venir chasser. Nous, quand nous sommes arrivés ici, les lions avaient disparu à cause du braconnage. On avait les éléphants, mais qui sont disparus à cause de la déforestation. Sans la conservation, les humains ne peuvent pas se vivre. Et j'ai des soucis pour que la génération future garde ce meilleur endroit pour ne pas vraiment négliger cet endroit-ci.
quelque chose là. Tu vois? C'est un bifle. Voilà. Wow. Wow. Voilà, moi j'ai vu les traces ici. Les traces ici. Ça, c'est un petit, non? Oui, un petit. Il n'a même pas des cornes. Il n'a même pas de cornes, voilà. Deuxième. Wow. C'était un groupe. Wow, là, c'est un bruit grand. Ah, oui. Allez-y. Wow. Continuez. Ils sont venus prendre des... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Avec un petit. Ah, c'est une femelle. Trois. Ils sont au nombre de trois. On a vu le bifle, c'était trois, un couple avec un petit. On ne pensait plus, oh non, il y a des bifles, on voit que des traces, peut-être ils sont ou bien pas, mais on a vu des bifles. Ah, c'est Tatunga. Avec des grands cornes. Avec des grands cornes. Voilà, c'est lui qui s'est mis là-bas. Voilà. Je suis très très content vraiment, puisque l'espèce phare qu'on cherchait, c'était le bifle. On a vu le bifle, on a vu des Sitatunga, on a vu des holocodes aussi. En tout cas, j'ai aimé. J'espère encore avec d'autres caméras trap, on aura encore de belles choses. Il y avait le passager à la grande route, ils ont mis un feu incontrôlé, le feu a ravagé toute la journée et toute la nuit. Maintenant, on essayait d'éteindre ces feux-là, mais ce n'était pas facile d'éteindre puisqu'on n'avait pas les matériels qui pourraient éteindre le feu. Le feu venu de ce côté, il y avait des feux qui montaient, d'autres qui descendaient. Et puis on était alertés. Les gardes sont partis pour aller éteindre le feu. Le vent s'est contré de l'est vers l'ouest. Toute la savane était brûlée. Vraiment, on est vraiment inquiet de voir tout ceci. On ne sait jamais les faits juste pour chercher des mangoustes, pour les aider à faire la chasse. Quand les gens passent dans la forêt, ils peuvent mettre le feu à n'importe quoi ou bien n'importe comment, ce n'est pas bon vraiment. On a risqué même des caméras qu'on a mis dans la savane, on a risqué de perdre quelques caméras et puis ça détruit la nature. On n'a pas encore trouvé quelque chose, mais on avait vu le gier. Après, c'était à côté de la colline.
c'était disparu. Ouais. On est en train de chercher toujours. On est à la recherche. Cette nuit, c'était vraiment très bien. On a fait une balade pendant la nuit, c'est vers 22h. Nous avons vu beaucoup des animaux à travers le phare la nuit. Mais on a fait juste un promenade de 2h, mais on avait vu de très bons résultats. En tout cas, ça sera vraiment le meilleur qu'on trouve des pangolins encore exister ici à Bomboulou. C'est une espèce vraiment pour le moment, l'ICSN des pangolins, totalement protégée. On a vu les espèces qui sont vraiment très très importantes, qu'on ne croyait pas voir. Ça fait vraiment la fierté de notre site. Yo sali moi nanga ya tongo Oya pesa kangasa Yo sali Fololo ya motema nanga Soki yo te o nanie Tu ya nyanga mi mon cœur comme ça là C'est fini Tu y a nyanga mi mon cœur comme ça là, c'est foutu. Ambi fait, mi fait, je t'aime. Ombi fait, mi fait, si osi mo te mananga. Ambi fait, mi fait, na salaboni ona lingio. Ombi fait, mi fait, amen. Yes, yes. Rosali. Moi engala kana tongo, soki na zangi yango na kubeba. Yo zalie, ololo ya motema nanga. Wapi yo? Tu ya nyanga mi mon cœur comme ça là, c'est fini. Tu ya nyanga mi mon cœur comme ça là, c'est foutu. Ambi fe, mbi fe. Ombi fem bife, bife, ambi fem bife, yo anana nga. Ombi fem bife, o yo na pesa ka motema di. Ambi fem bife, bife, je t'aime. Ombi fem bife, 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 ambi fem bife, yo nena chaka motema. Ombi